Tout ça, c'est que des messages subliminaux. Alors, ce plan-ci, celui-là, par contre, c'est phénoménal. Cette veste, il y a un vrai rituel avec cette veste dans le soi-disant clip. Et regardez, là, la veste, elle est debout toute seule. Toute seule. Et ça n'étonne personne, ça ne choque personne. Pourquoi? Parce que personne ne chercherait à voir ça. Les gens, ils cherchent plus à être illuminés, sublimés, justement, par la chose. Regardez-le. On dirait une statue, le mec. C'est vraiment une statue, c'est ça. Et il veut que les gens l'adorent. Comme à l'époque de Pharaon. Et vous verrez toujours une fille habillée en rouge. La meuf, elle aura toujours... Regardez tous leurs clips, mes frères et sœurs. Même l'autre là, comment elle s'appelle? Gradule, dans son truc... Lopsa, je sais pas quoi. Dans ce truc là, vous voyez, la meuf, elle est en rouge. Dans Maître Chips, Diabla, Diabla, elle reprenait au nom de Diabla. Vous voyez, la meuf, elle est en rouge. Tout le temps. Ah là 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 là. Je lui ai même pas demandé son nom, mais je me le saurais tatouer 100 fois. Et donc, on t'est pourtant du donc, hein. Pas attention, quand même. Mon vieux. Fait la mort. Il est là pour vous tuer. Il le montre clairement. Alors, tac, là aussi, l'œil. L'œil qui voit tout, qui voit rien du tout. Et la cigarette, ils font que la promotion de la cigarette dans ce clip. Ils veulent pousser les jeunes à fumer aussi. Parce qu'un jeune qui va regarder un clip comme ça pendant toute la journée, tous les jours, et à un moment donné, il va s'y mettre aussi. Regardez l'œil. Et voilà, ils se cachent plus, ces gens-là. Ils se cachent vraiment plus, les frères et sœurs. Et lui, il passe presque dans tout le clip. Il a les mains dans. Il caresse ses couilles dans tout le clip. C'est. Frère, s'ils couchent ensemble, ces deux-là, moi, ça ne m'étonnerait pas, sincèrement, parce que. Ils ont des délires d'homosexuels, hein, sincèrement. Bon, attendez, deux secondes. Allons-y là. Attends, deux minutes, on parle de ta coupe de cheveux là ou c'est comment? Parce que ça fait quelques clips là, justement, que je vois. T'as mis des mèches sur ta tête, frère. Des mèches, t'as les meufs. T'as mis des mèches. Jamais t'es devenu un androgyne, un travelot. Oh, mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que les mecs de cité, il y a 5 ans, juste 5 ans en arrière, tu faisais un truc comme ça, frère, tu te faisais haggar dans tous les quartiers. Le mec, il met des mèches sur la tête, des mèches. Oh! Et après, il vient faire des sons, ma bagarre, viens, on sort, on va se taper, on va se bagarrer, nanani, nanana. Wesh, c'est quoi le délire? Tu veux te bagarrer, toi, avec qui? Avec les travelots du bois de Boulogne? Ah, pour ton terrain, pour votre petit terrain, là, vous allez vous bagarrer entre vous. En fait, t'es devenu un sodomite, tu vois. T'es devenu un PD, t'es devenu je sais pas quoi, frère. Wesh! Et là, lui, il est au téléphone avec le chétan, justement, avec le diable. Et regardez ensuite, il devient une marionnette, il vous montre direct. Vous voyez, il devient la marionnette de Satan. Et c'est pas n'importe quelle marionnette. Il vous montre de plus près ensuite. Vegeta. Vegeta ou Sangoku, je sais plus. Mais en tout cas, genre l'un des plus forts, entre guillemets, dans le truc. Ceux qui sont au sommet, quoi. Voilà. Et ils dansent dans les ténèbres pour la victoire, comme ils le disent eux-mêmes. Et là, voilà. C'est la mort qui vous montre, en fait. Soit t'adhères, soit tu meurs. Voilà. Et au fait, je comprends pas, man. Comment vous pouvez en arriver là, les mecs? Comment? C'est-à-dire là, toi, tu vois, tu te lèves, tu vas voir les mamans et tout, à Château d'Eau. Tu dis, ouais, maman, fais-moi des nattes collées, tu vois. Ouais, frère, tu rajoutes des mèches, tu mets des rajouts. C'est-à-dire, bientôt, tu vas mettre des perruques sur ta tête, wesh. C'est quoi le délire? Vous allez où, les mecs? Wesh, c'est comment? Tu fais comme les gnafous, tout ça, tu vois. Tu vois, un château d'eau, tout ça, pour mettre des tresses. Wesh, qu'est-ce qui se passe? Putain, c'est écœurant. Regardez. En fait, le son, c'est simple. C'est très, très simple. Il y a un seul couplet et 10 refrains.
Un seul couplet, 10 refrains. C'est fait exprès, c'est juste pour que vous gardiez ça dans la tête. Suis-moi, je t'amène en enfer. Bah suivez-le, va vous amener en enfer. Avec ses mains, c'est explicite. C'est vraiment explicite, mes frères et sœurs. Il vous fait un triangle et il vous le jette dessus. Comme si vous jetez un sort, subhanallah. Deux fois de suite, mes frères et sœurs. Et là, voilà, la mort cérébrale s'ensuit. Ça veut dire, vous avez, c'est comme si vous perdez la tête. Voilà, la fumée dans votre cerveau. Voilà, ils en rigolent après. Ça veut dire, leur pacte, il est accompli. Voilà, ils ont jeté des sorts, c'est bon, ils sont contents. Satan va les récompenser, ils sont contents. Et regardez derrière eux, sur la gauche, vous voyez les panneaux, leurs panneaux qui sont posés en triangle. Et c'est, tout ça, ce n'est pas du hasard, mes frères et sœurs. Et sur la droite, vous voyez les damiers par terre, les damiers de la franc-maçonnerie. Ça, c'est les mêmes damiers que vous retrouvez dans les loges maçonniques. C'est, en fait, dans l'occultisme, ils ont des symboles. Ils ont des symboliques et des codes, mes frères et sœurs. Je vous invite à aller taper sur Internet c'est quoi les symboliques de la franc-maçonnerie, les symboliques du satanisme, comment dire, les rituels et tout ça. Cherchez, mes frères et sœurs. Ça ne vous coûte rien d'aller taper sur YouTube des choses sur l'occultisme pour vous renseigner par vous-même et pour vous-même. Je pense que ça serait mieux que si vous le faites. Parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, mes frères et sœurs. Et c'est très important. Et eux, ils en sont contents. Là, ils ont fait leur sacrifice, leur rituel. Tout est parfait pour eux, entre guillemets. Voilà. Et ensuite, regarde. Ok. Salut à tous les frères et sœurs. Killuminati. Encore une fois, Master EX. Alors, cette fois, mes frères et sœurs, j'étais vite fait en investigation sur Internet. Je recherchais... Je faisais des enquêtes pour voir ce que je pouvais décrypter. Je suis tombé sur un clip de Nixa avec Maître Chips Banane. Là, ils vous font des incantations, ils vous font des signes. Et il fait un triangle encore une fois. Mais c'est très subtil. Il joue avec vous, mes frères et sœurs. Il fait la tête de Baphomet à un moment avec les cornes et tout. Son pote là derrière qui fait les cornes. C'est vraiment explicite, mais bien caché. Voilà, il vous retourne le cerveau. Et voilà, vous voyez, là, ils ont redonné vie au diable, justement. Parce que regardez, là, ils cueillent des fleurs. Les fleurs signifient les âmes, en fait. Ils les récupèrent et ils se nourrissent avec spirituellement. Et lui, il a les mains dans... Il caresse ses couilles pendant tout le clip. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a dans les couilles, mais bon. Du plagiat les mecs, vous faites du LGBT, plagiat, c'est quoi le mot BGT, c'est du plagiat frère, vous avez plus d'identité musicale les mecs, vous avez plus d'identité musicale, c'est chaud frère, gars, tu coupes des canets, ça y est, wesh, il faut laisser DJ Arafat et ses potes faire ça frère, c'est leur travail ça, qu'est-ce qui vous arrive les mecs, vous vendez plus, ça y est, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va s'épargner les pleurniches. On va s'épargner tout ça. Arrête. Il fait Kebra, tous les Kebra. Boum, boum, boum. Kebra, tous les Kebra. En fait, c'est quoi le sens? Qu'est-ce que devient la musique? C'est quoi le message? Enfin bref, tout ça, on s'en fout. franchement, le mec il dit faut les quebras, il fait le gangster, après il fait nous avons les sous, ouais, pas qu'il y a un problème, tu parles de quebra et tu chantes, on dirait Francis Cabrel, je sais pas qui. Juliette, on est là, oui, Juliette, Meggy, wesh, les mecs, qu'est-ce qui vous arrive? C'est quoi le truc? C'est quoi le projet? C'est quoi le plan? Non, sincèrement, pardon, on va arrêter de rigoler. Expliquez-nous, c'est quoi le plan? C'est quoi le projet? C'est quoi le message qui est passé là-dedans? Vous passez quel message là-dedans?
Parce que tout, mes frères et sœurs, tous sont qui font ces gens-là, il y a un message derrière. Il y a un message. C'est, soit c'est caché, soit c'est ouvertement exposé, mais il y a toujours un message. Ben, expliquez-moi quel est le message dans ce son-là. De toute façon, la plupart des musiques aujourd'hui, c'est de la merde monumentale, la merde sculptée, frère. Et nous, on s'endoctrine avec ça comme des couillons, subhanallah. Bref, mes frères et sœurs, qu'Allah nous préserve de ces gens-là, pour ceux qui veulent qu'Allah les préserve. Ceux qui veulent rester dans l'endoctrinement, dans la chétanerie, restez-y dedans. Allez cliquer encore sur Maître Chips, sur Juliette. Faites ce que vous avez à faire. Quand on n'est pas fou, on est très content, pas fou. Beaucoup de munitions, on s'inquiète vite. Restez pas qu'un coup, quand tu n'as pas le ballon. Je te ferai des tacles au cou, même quand tu n'as pas de ballon. C'est censé être une punchline. Ouais, mes frères et sœurs, ils ont pas d'identité musicale. Ils font que du plagiat. Là, ils plagient le LGBT, là. LGBT, le logo BGT. Ils font que du plagiat. C'est pareil comme Maître Chips avec Juliette. Et la puissance, la danse du West, les mecs, il n'y a plus de contenu, ils savent plus quoi raconter. La vie, c'est comme les trous de balle, tout le monde en a un. Alors, il dit la phrase en entière, il dit je fais de la zik, tu dis que je fais du mal. Les points de vue, c'est comme les trous de balle, tout le monde en a un. Alors, monsieur Clarisse, ceci est un pur plagiat de votre part à mon égard. C'est-à-dire, le point de vue, c'est comme les trous de balles, tout le monde en a un, c'est ma punchline, tu vois. C'est un truc que j'ai sorti dans un de mes sons il y a déjà deux ans et demi, trois ans. D'accord? C'est-à-dire, moi, je pourrais t'attaquer à l'assassin pour plagiat, tu vois, juste pour cette punchline-là. Mais, j'ai pas besoin de ça, en vrai. Et tout ce qui croit que oui, Masta, il s'engrande des vies, Masta, nanani, nanana. Écoutez ça, ce qu'il dit, et puis je vais vous mettre le son en question, vous allez entendre par vous-même. Je l'ai sorti en 2015. C'est même pas les paroles qui m'intéressent, c'est l'imagerie, mes frères. Regardez, comme je vous disais, c'est les femmes à poil, c'est ce qu'ils promouvoient, mes frères et sœurs. Ils promouvoient le non-respect de la femme, ils veulent que la femme soit considérée comme un objet, mes frères et sœurs. Mais toi qui regardes ce truc-là et qui dit que ça t'enjaille, que tu kiffes, si c'était ta sœur là, si c'était ta sœur qui est à poil là, est-ce que ça t'aurait enjaillé comme ça? Les avis, c'est comme les trous de balles, tout le monde en a un. Je vais vous mettre le son que j'ai fait il y a trois ans. Ça s'appelle Info Trafic Bizarre, ITB. C'était un featuring avec Titan High et Adriano. Écoutez. Alors, j'espère que vous avez entendu. Le son, je l'ai sorti précisément le 10 juin 2015. Le 10 juin 2015, d'accord? Caris, il a sorti son son il y a 3 ans. J'ai sorti le mien il y a 3 ans. Donc ouais, alors c'était juste pour vous dire que monsieur Clarisse Zongo Dongo, tu me clashes entre guillemets, mais tu reprends, tu voles mes punchlines carrément, tu vois. Si tu veux que je t'écrive des punchlines, frère, viens me voir, tu vois. Viens, envoie-moi un message. Moi je t'écris, moi, du vrai rap, y'a pas de problème, tu vois. Je reviens dans le game pour tous les decks, je reviens dans le game pour tous les wets, je reviens dans le game pour faire leur fête. C'est la Saint-Valentin le trou duc, Valentin le trou duc. Sarah King, j'en ai plus d'une, Sarah King, j'en ai plus d'une. Hey, hey, faites de la place à l'anguille, où il arrive, il sort de sous roche, on est sous roche. Parce que franchement, ça là, Dongo Ndonzo logo, y'a rien dedans, tu vois, c'est vide. C'est vide. De toute façon, quand c'est produit par ces gens-là, Def Jam, etc., ça sera toujours vide de sens. Alors, moi, je pourrais vous attaquer, toi et ton Def Jam, ta boîte de production,
pour plagiat. Et j'ai pas besoin de ça, tu vois. Donc je fais pas ça pour de l'argent, contrairement à vous, tu vois. Je dis que de la merde, frère. Ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Kebra, clac, clac, clic, clac, clic, je sais pas quoi, nanani. Tu fais le gangster alors que toi, t'as fui une guerre en Côte d'Ivoire pour venir en France. Clarisse, si tu veux faire les choses, fais-les bien propres. Mais ça sert à rien de venir me plagier mes punchlines pour les ressortir par la suite, tu vois. Parce que moi, aujourd'hui, tu vois, si tu veux que je t'écrive du rap, si tu veux que je t'écrive des textes, viens me voir. Y a pas de problème, frère. Ça sera avec plaisir, tu vois. Mais ça sera pas de la merde que tu fais là, c'est pas, ça c'est sûr. Retour est attendu comme celui de Christ. Consulte le père, il te dira je suis le fils. Je suis sans esprit, faut le dire à Horus. A tous ces PD, jamais je fais la bus. Avec vos lobbies, je ne fais pas de bus. Non. Avec ces ignorants qui suivent leur savant, c'est tout le temps la même musique. C'est haram. Fini de jeter la chape à la fenêtre. Sinon le diable va devenir ton proxénète. Fini de jeter l'argent par la fenêtre, sinon le diable va devenir ton proxénète. Mais je vous le dis, mes frères et sœurs, ouvertement. Vous qui voulez la luxure, la vie ici-bas, les belles choses ici-bas, le diable va vous faire tapiner pour lui. Mais c'est comme eux, ils tapinent pour le diable, mes frères et sœurs. C'est des putains du diable, ces gens-là. Ils vous le disent ouvertement, c'est ça le pire. Sinon le diable va devenir ton proxénète. L'amour rend aveugle, va t'acheter des lunettes. Maître Chips, les lunettes. C'est pour ça, t'es aveugle, Chips. Je sais pas, on te voit tout le temps avec les lunettes. Et ton pote, il dit, l'amour rend aveugle, va t'acheter des lunettes. Donc, t'es aveuglément amoureux du diable. Donc, t'as tout le temps des lunettes. Aux armes, citoyens. Aux armes, citoyens. Aux armes, citoyens. Spirituel, spirituel, toujours spirituel. Démon derrière, on arrête de rigoler, on arrête de rigoler. Subhanallah. T'es ouvert les yeux et t'es joué la tour. T'as ouvert les yeux et t'as joué un tour, tout a un terme. Subhanallah. Mes frères et sœurs, ces gens-là, tout ce qu'ils font aujourd'hui, ils savent que ça va finir un jour, ça va s'arrêter un jour. Mais ils continuent quand même parce qu'ils n'ont pas le choix, justement. Ils ont peur de se retrouver à zéro. Ils ont peur de retourner pointer aux ACDIC, au Pôle emploi, à la mission locale. C'est comme Booba. Booba, il dit dans une session, Tony Sosa, il dit ouais, RSA, RMI, c'est mes pires ennemis. Mes frères et sœurs, ils ont peur de retourner au RSA. Donc ils vont tout faire pour le diable. Tout ce que les diables. C'est le diable leur proxénète. Subhanallah. Elle était belle la dernière année, celle-ci sera meilleure. T'inquiète même pas, sur 20, t'inquiète même pas. En 2020, y'a de belles surprises, tout est fait surprise. Meet Ivago au montage, appelle-moi Kinder Surprise. Surprise qui vous attend, comme à Satan. Mais nous, nos vidéos s'adressent que aux croyants, que seulement ceux qui ont la foi en Allah. Le reste, continuez à faire ce que vous voulez, y'a pas de problème. Cliquez, allons-y, très chips. La ruine. Le canard boiteux. Anne-Sophie. Génération 666. B12 Béatrice, Clarisse. Karestachnik. Balour, DJ Ataï. Elle se casse, Juliette. Bref, faites ce que vous voulez, y'a pas de problème. Y'a aucun problème.